Bonjour et bienvenue pour cette Ignite Talk parcours croisé sur la gestion de services du système de management QSE, présenté par Business Vincent Iacola. Le système de management est imposé aux opérationnels, considérés comme partie prenante plus que client, avec en plus une valeur ajoutée difficile à démontrer et une logique de non-conformité plus que de service. Pour répondre à cette problématique, nous allons voir les définitions, l'intérêt, les référentiels de gestion de service, puis les processus de mise en œuvre et enfin les bonnes pratiques sur l'engagement, la valeur ou l'intégration. La gestion de service est un ensemble d'activités ciblées service proposées par un fournisseur à ses clients afin de satisfaire les exigences de service regroupées dans un contrat pour créer de la valeur. Les activités sont structurées en processus intercorrélés de la conception à l'exploitation et organisées pour répondre aux exigences des métiers et des clients. L'intérêt est de professionnaliser les relations, gagner en efficacité et en efficience coût-moyen, d'obtenir une satisfaction équilibrée de l'ensemble des acteurs, le tout amélioré en permanence. Tout commence fin XXe siècle pour valoriser la qualité des services informatiques. Très vite, ces notions s'étendent à tout type de centre de services et notamment les fonctions support au sein des organismes. À qui est-ce utile Utilisateur exigeant en qualité de service pour tous ser les services demandés. Entité exigeante envers ses fournisseurs de services. organismes souhaitant démontrer ses capacités en matière de gestion de services. La mise en œuvre commence par la stratégie. Analyse des tendances, planification et interaction, catalogue, définition des engagements, modalité du contrat, calcul du coût des services. Vient ensuite la conception avec les conditions de disponibilité et de continuité du service, les garanties de capacité à produire le service et en matière de sécurité, et la maîtrise des fournisseurs mobilisés. La transition, quant à elle, s'intéresse à la gestion des changements, à chaque évolution. Le changement approuvé, on met en production, on actualise alors les actifs supportant les services et les configurations. Centrée sur les utilisateurs, la résolution consiste à gérer les incidents, demandes et informations, avertissements, exceptions liés aux services. La gestion des problèmes en fait une analyse plus globale. Enfin, la relation client s'intéresse à la qualité de service, à la satisfaction, repris dans des rapports de service réguliers, débattus lors de revues de service avec le client. Passons au retour d'expérience. Les services sont pilotés par les processus, complétés de modalités de gestion de service, intégrés dans le système de management global, le tout en amélioration continue. L'ISO 20000-1 est la norme d'exigence des systèmes de management de services. Elle complète les processus de gestion de services par des processus communs à tout système de management. Incontournable du dispositif, le service support est le point de contact unique entre les utilisateurs et les équipes de gestion des services pour la prise en charge des incidents en demande. Il présente de nombreux avantages. La chaîne d'engagement S'appuie sur la relation avec le client externe ou interne et la décline aux fournisseurs contributeurs de services internes ou externes redécliné si besoin la création de valeur consiste à passer d'un centre de coût à un centre de service où l'utilisateur est vu comme un client, puis à un centre de valeur pour améliorer la qualité et réduire le coût des services en synthèse. La gestion de service est un ensemble d'activités regroupées en processus, s'inscrivant dans une relation client-fournisseur, intégrée au management et avec des caractéristiques spécifiques. Nous voici au terme de cette il Talk sur la gestion de service. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisées.